Nazali mwasi ya batoka na elanga. Pesanga respect. Ekomi na tango ete Ecclesia ezonga na molongo. Bampongo to fungula matuli. Osimba ngai te ya namera. Voilà, bienvenue chers amis téléspectateurs dans votre émission La Voix de l'Époux, cette émission qui vous permet toujours d'avoir la connaissance, cette émission qui vous permet toujours d'être prêt pour se préparer à la rencontre de l'Époux. Merci Nami, nous sommes en Abisso partout dans le monde, en Angola, en Afrique du Sud, en Gabon. Merci. La confiance et la fidélité pour vous témoigner. La émission Yalelo, c'est la toute première émission de cette année 2014. Nous souhaitons bino ba meilleur vin à ba téléspectateurs. Bonjour, prophète Jean-Ville. Bonjour, bien-aimé, Jethro. Le moment où on a il y a la voix de l'époux. Nous vous saluons et meilleur vin à tous nos téléspectateurs partout dans le monde, là où vous nous suivez. Que la grâce du Seigneur vous soit accordée. Nous croyons que cette année, le Seigneur a préparé de grandes choses pour nous et ça sera pour notre bénédiction. Merci. Voilà, pasteur Kadi, un mot, pe na balandi nyoso, il y a la voix de l'époux. Merci, Kola, pour un repas mboula, bandeko, nyoso namoke, mouba partout, bozali, bozu, ngolo, susunelo, yako, zali, bosa, ba télévision, kala, mosa, kola, nzam, beja, ou limbaza, su, nenge, jouen, santo, kolo, mbeli, première émission, il y a année 2014. Je pense que le lo, mouton, nzam, ba, ouzam, ap introduire coupé sa mino pour et max un plus n'a pas bien partout aux alliés colo à coca copa moula bien. Voilà, ainsi dit le rôle à tous alliés na mboula yassika et ben toujours bandapé thème yassika l'élo ya on a aussi un ami non sous son avis pour préparer ma téléphone la mino en tout cas tout évolue quand tu évolues en cas texto. Texto. Aujourd'hui, le prophète Jean-Willy Mbanzasui va introduire un thème très capital, très important aux alliés Babylone. Donc ils ont vraiment maman elle comme moi mon néné qui toque bombi ma mystère et belote aux la penza tout découvrir ma bombi néné Babylone. Mais avant tout kota na maman elle comme wana tout kosenga en de comme ça Richard proposer biso nzembo moko ya frère na biso Jason tout koyoka yango pour nous permettre de dire merci na nzambo a batteli biso toute l'année 2013 à côté biso 2014 dans l'enseignement. Parce que tout ce qui est enseignement, c'est mon habitude en Guana. On dit que ce qui est en Guana, tu parce que nous sommes dans l'enseignement. Nous allons dire merci à celui-là. Ensemble, nous allons nous sommes dans l'enseignement à travers cette chanson. Nous nous retrouvons juste après. Boto Yoka, ma bombe, ma bombe, ma bombe, thème Oyo, le Babylone. C'est parti. La soumission. Yoka Nerito Yézali. Amen. Na miso na yo na yo.
nzambe pona basali na ye apesa nga bango na ngolu na ye o bande yanga maloba na ye parce que ennemi na balasi mas pour lui-même mobeko eloba soki na kati ya mboka moto alingi kobebisa mosika mwasi mwasi ya konganga Voilà, nous sommes de retour. Merci, na frère Jason. Toujours quoi, ça bande que album au lieu d'enterrement. Le lieu d'enterrement est déjà disponible. Bah, on a besoin de se procurer la support Nongo pour Bengi à travers cette émission La Voix de l'Époux pour qu'on soit support Nongo. Vraiment, c'est une bonne composition. Où est-ce qu'on va soutenir en Goto Kayango? Il y a la vie à l'intérieur. Alors, Tozongi, très rapidement, prophète Jean-Willy, Tozongi est là. Na posagnoso pour découvrir le mystère de Mamina Katia. Babylon Totik, la Bible de Exposé Apocalypse juste après. Chapitre 18. Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18. On commence par le verset 4. Apocalypse 18, le verset 4e. Et j'entendis au ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Deuxième Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Deuxième Corinthiens, chapitre 6e, le verset 14. Il est dit ici: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 18. Verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et filles. Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Merci, nous saluons tout le monde qui nous suit. Je sais que le Seigneur a permis que nous soyons encore là pour l'édification commune. Il a fait grâce, nous croyons, que s'approcher du Seigneur, comme quelqu'un a dit, c'est pour notre bien. Et je sais que vous êtes nombreux partout dans le monde pour nous suivre. Ce sujet que nous commençons, c'est un sujet très important sur Babylone. Qu'est-ce qui nous a attirés sur ce sujet Babylone? Certains de vous peuvent se poser des questions. Babylone signifie encore quoi? Quand nous avons lu les textes d'Apocalypse chapitre 18, commençant par le premier verset, il est écrit que Jean a vu un ange puissant et cet ange avait toute autorité de Dieu. Quand il apparaît, la terre fut éclairée par sa lumière. Il y a un pourquoi. Parce que la lumière, c'est la connaissance exacte. Et l'ange qui doit éclairer la terre aujourd'hui, ce n'est pas un ange comme ça. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable messager dans ce temps de la fin, conformément dans les textes des Hébreux chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 2e verset. Cet ange, qu'est-ce qu'il est venu annoncer? Il est venu annoncer la chute de Babylone. Et après avoir signifié Babylone, qui est le repère de tous les démons, des oiseaux impies, des esprits méchants, à la fin, il dit « Sortez du milieu d'elle pour que vous ne participez point à ses péchés. » Mais ce message ne peut pas nous laisser indifférents. Tout enfant de Dieu, tout prédicateur est appelé à saisir cet avertissement solennel que le Seigneur annonce. Il dit « Sortez du milieu d'elle. » On ne peut pas sortir de Babylone si nous ne connaissons pas Babylone signifie quoi. Je dois vous rappeler à tous les téléspectateurs qui nous suivent, c'est vrai, dans Jean 3, verset 16, de Komami, qui est Zambalingaï Mokilatin Daimwana Lae. Et Baonios Bayambi, Bakomibana Yanzambi. Mais dans 2 Corinthiens, chapitre 6, le même Dieu dit Bobi Manakat Nabangona Oyambabino Bokoma Balananga. J'ai trop. C'est que Kokoma Mwana Yanzambi Zalika Ateko Yambi Yesu, Otikal Nakati à Babylone. Mais il faut moutou, ayambi yesu, abimana Babylone, c'est alors que Rosala Mwana Yazambi. C'est comme Israël, Babimina Égypte,
Mais tant que je suis Sinaï, dans Exode 19, je suis dans le Sikou, ce qui est le Sikou, 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 le Sikou. Cela veut dire qu'il y a les degrés. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui, je suis dans le Sikou, mais je suis dans le système babylonien, je suis dans le Sikou. Parce que Dieu dit il faut tomber ma pote comme ma balle ensemble. Mais Babylone là signifie quoi au juste? Pourquoi Dieu insiste que les gens doivent sortir de Babylone? J'aimerais que Pasteur Kadi retourne dans l'Apocalypse chapitre 17. Nous commençons par les premiers versets. Nous allons sauter 3, 5. Allons-y rapidement. Apocalypse 17, verset 1, virgule 3 à 5. Puis l'un de sept anges qui tenait les sept coupes vint et m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur des grandes eaux. Verset 3e. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine des noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 cornes. Verset 5e. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations des rateurs. L'Église du Seigneur, les enfants de Dieu sont appelés à comprendre ces mystères comme le prophète Jean aussi. Comprendre Babylone signifie quoi? J'aimerais que les gens qui nous suivent méditent bien ces textes, comprennent bien ces textes, parce que nous vivons un temps très difficile. J'ai entendu les gens dire que pourquoi vous insistez sur l'Apocalypse, mais la connaissance doit augmenter. Parce que le risque de l'ennemi, ils ont une forme nuance. Le diable a augmenté sa connaissance, ses risques, et Dieu ne peut pas laisser son église dans des choses élémentaires. Il faudrait que la connaissance augmente pour résister à la fausse connaissance. Remarquez, quand le cheval blanc est sorti, il y avait le lion qui devait parler pour permettre à Jean de comprendre le cheval blanc. Quand le cheval roux sort, il y a le veau qui parle. Quand le cheval noir sort, il y a l'homme. Quand le cheval pâle sort, il y a l'aigle. C'est-à-dire que quand le diable change ses formes, Dieu aussi augmente la connaissance pour permettre à l'Église de vaincre le diable. Parce que l'Église ne sera jamais soumise au risque du diable. Souvenez-vous, en Égypte, Ata Pharaon a multiplié qui système naïe, mais les sages femmes paient, bazakina maïele yakoloba pour garder la sémence. Parce que les sages femmes, sagesse tamangoza laïka, moi n'a batte lama. Parce que Pharaon ne cherchait pas tous les enfants, mais il cherchait Moïse qui devait naître. Et les sages femmes, Singlaï Baba, t'es là, la sémence qui est le fils. Nous disons aujourd'hui, les sages femmes, ce sont les ministres, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, envoyés par Dieu, qui doivent faire tout pour que la sémence soit gardée, parce que celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a remarqué? L'amour de Dieu disparu dans les cœurs, la crainte de Dieu, et ils sont dans la terre. Et aujourd'hui, conséquence des années, parce qu'il n'y a pas un message que nous appelons évangile éternel. Frère Moratuna, évangile éternel était à Mawapi. Je lui réponds directement que évangile éternel, Apocalypse 14, 6, c'est l'ange là qui parle à Zoté à ma nation. Autant de nations, c'est aujourd'hui, et vous allez après enlèvement. Les gens qui disent que l'évangile éternel est roté à la grande tribulation, il faut, Baluka, ma ministre Moussous Passé, il n'y aura pas un ange comme ça. Romains chapitre 11, verset 25 jusqu'au 27e verset, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Alors c'est aujourd'hui que l'évangile éternel doit être prêché pour épé sabato, crainte y en zambé, pour que les gens aient la crainte, il faut base à la connaissance, il faut base à la sagesse, parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Il faut battre base à la connaissance pour bien adorer. Je veux dire que Babylone, cet enseignement vient pour remédier. Pour la raison que ça va tourner, c'est là-bas, il y a la place de Sambé, la place de Kenda. Soit il y a déjà un système babylonien ou pas. Parce qu'aujourd'hui, quand nous avons lu Apocalypse chapitre 17, voilà ce que l'ange dit à Jean. J'ai trouvé que ceux qui en jouent à la Galilée, à l'ingrabenga, ma apôtre belete, ma prophète belete, pour ma cambo et tali koutou batoute, batou babi, ou te abat apocalypse au salanine. Mais ange abengi, j'en abengi à l'obike, ya kana la kisao ma cambo et kouya. Parce que l'église est appelée à comprendre. L'église ne sera jamais surprise. J'ai trouvé que ceux qui pondent à la banne,
kokenda ya Jacob ezalaki mystère mais pona Léa Rachel ezan mystère te parce que bango baza déjà na Jacob elles doivent avoir l'explication de tous les mouvements aujourd'hui za batu musu batikali kaka divinité du Seigneur Jésus-Christ baptême au nom de Jésus-Christ mais divinité wana batu bazo te ya bazo bosana ke divinité za kaka te kolobi Yesu azanzam. Mais Romains 1, 20 dit que la divinité de Dieu se voit à l'œil nu quand nous le considérons dans ses ouvrages. Ah. Quelqu'un qui est spécialiste en la divinité, mais il refuse que Dieu se cache dans les créatures. Il prêche lion. Lion, c'est quoi? Il prêche hippopotame. Hippopotame, c'est quoi? Mais ce n'est pas nous qui avons prêché ça. Job, Azalaki, Nakati, Abapas, Zamba, Koutani, Naye, Poate, Aye, Bongola, Mouté, Mabandi, Job, Tala, lion, Tala, bouc sauvage. T'as la bête, t'as la boue, t'as la biche, t'as la... jusqu'à ce qu'il y ait un crocodile, puis un souka. Job a le dit, mato, il n'y a pas de crocodile. C'est ça la divinité. Donc, la connaissance doit nous amener à comprendre Dieu dans une autre dimension, parce que le diable imite tout. Soit le loboté, il battait mon nom de Jésus-Christ. Place nous sur basoté, battait mon nom de Jésus-Christ ne signifie pas qu'ils sont Dieu. Le diable est un imitateur de tout. Mais ça, dans ma cambo, le diable a imité l'explication correcte, la pensée de Dieu cachée dans les Écritures. Voilà pourquoi nous disons le prophète Jean a Bengami pour comprendre Babylone Oyo. Toroye Kolango dira tout ce temps. Là, je dis quoi? Il dit viens, je te montrerai quelque chose. Je te montrerai cette femme-là, la femme prostituée. Et quand Jean vient, Aéromona, une femme prostituée, assise sur une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Il y a un pourquoi. Mais Bazobe nga Jean Poatala, moi si Andumba, ou avant de l'icolo, ya bamay, mais il y a Komona, moi si Andumba avant de l'icolo, y a Niamamo, wazana 7 têtes et 10 cornes. Tant avant de l'icolo, na ye, n'est ce que Jean bandi, kokamoka, parce que moi si Andumbo yo, na mutu ne ba komi mystère Babylone pe asimbi veya prostitution o ya languisi ba pasteur ba apôtre ba docteur ba évangéliste pe mokili mumba ba langue veya prostitution ya Babylone. Maintenant l'ange devait expliquer que ce que tu vois là le mystère Babylone signifie quoi. J'aimerais que les gens qui me suivent comprennent que Babylone c'est la confusion. Babylone, c'était le premier royaume qui a existé sur la terre. Retournons dans Genèse chapitre 10, verset 7. Genèse chapitre 11, gagnons le temps, pasteur Cardi, parce qu'on n'a plus le temps. Genèse 11, 1, 2. Genèse 11, 1, 2, verset 2. Genèse 10, 7. Genèse 11, de toute la terre avait une seule langue et le même mot. Verset 2. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa. Le pays de Chinéa. Voilà, voilà. C'est ça le pays de Chinéa. Cela veut dire que Genèse 17, lisez ça rapidement. Genèse 17. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabna, Raem et Sabteka, les fils de Raem, Seba et Dedan. Verset 8. Cush engendra aussi Nimrod, celui qui commence à être puissant sur la terre. Descends. Le verset 9e. Il fit un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Verset 10e. Il régna d'abord sur Babel, okay. Erech, Akkad, Calné, au pays de Chinéa. C'est ça le début de Babylone. C'est-à-dire le premier royaume. J'aimerais que les gens qui me suivent, Balandanga, très bien, j'ai trop. Nzambe tangwa sali mokili, Adam était le premier roi de la terre. Adam devait dominer sur les poissons, les animaux, tout consort. Mais quand Adam a eu qui voit un moi Sinaï, Nzamba chassé, il a perdu la royauté. Le royaume de Dieu est Tikalaki Bongo. Maintenant, le premier à dominer sur la terre, c'est un Nimrod. Cela veut dire que le diable récupère cette royauté, ce royaume, où le Christ a eu pour la rejoindre à la croix de Golgotha, mais avant que Christ ne les prennent, le diable avait récupéré ça par un certain Nimrod. C'est un Nimrod qui a bâti Babylone. C'est lui le premier roi de Babylone. Maintenant, cet esprit-là, où il y a Basangana qui faisait nous un nom, Toyo, quand on a passé le lot, l'église, Baso Sangana, pour ça la combo, pour ça comme puissant. Combo y a Zambel Soutemela, combo y a Bato comme puissant.
Olandalelo, namate ya du début jusqu'à la fin, on élève qu'un homme. Yenda koma puissant. C'est ça l'esprit de Babylone au numéro d'Abanda Kinango. Cela veut dire que les gens s'étaient rassemblés dans un seul lieu. Ba sangana, ba tonga eloko moko po, ba matisa yango kino na likolo, e sangisa likolo pe nase. Malheureusement, to voye ko lango ba tonga kina ba pierre te, mais ils ont construit par des briques. Oyo eko panzana facilement. Oye bi opoza yenga, question moko samedi passé, je trouve comment, ba église moussous, yon a ba 1000 personnes, 5000 personnes, mais bino, ba église yon koma 5000 personnes, 2000 personnes te. Soko zana 5000 briques, eko panzana facilement, ke soko zana 100 pierres, mabanga. Cela veut dire que bandimion na baza lelo azan église soki mouvement komi kotoyo a changé église a kei awa au moins na bango ba changer même 20 églises 15 églises bazolu kanine oxyo za mikolo kotoyo puissance ça ce sont des briques au soka zangi visa a poto a pengui azangi libala a pengui tout cela c'est parce que bazo travailler na système à Babylone parce que Babylone c'est le lieu de la confusion matéya o ko sala bato le pierre vivante ezate parce que les pierres vont demeurer érotique à la seco la seco. Donc Babylone, c'est le lieu de la confusion. Babylone et Banda qui pensa na Nimrod, ou à sangi si batu. Nazo et bisa, bande kojos, bazola nanga le loke. Moutou nyon soa bengami apôtre, pasteur, prophète, docteur, évangéliste, nyon soa outa la nzambete. Nimrod pensa na ba pasteur na ye. Ou bazo sangi sape batu. Mais batu ango, ba kesani na batu évangile sangi si, pour Jésus-Christ a sangi sa ki, ba briqueté, mais il a rassemblé les pierres vivantes. Et puis les jours de la Pentecôte, bazongi koloba munokomoko, voilà. Na Babylone, baloba munokomoko menzamba ya che bango confusion. Mais na Pentecôte, ba yekoloba munokomoko pour na repesa bato vie éternelle. Cela veut dire que le véritable pierre ezali bato bazali bien enseigné par rapport na ba brique. Mais na Babylone Moussala nyonsu ezo salam. Moutou moussa otou nanga kotonga signifie quoi? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 jusqu'à 11 verset. Frère Paul dit que moutou nyonsu ezo tonga. Tout prédicateur c'était bâtisseur. C'est que moussala nyonsu tozo saleza, moussala nzambe tozo tonga. Maintenant, le problème c'est quoi? Système à Babylone, c'est le lieu de la confusion. Oye, confusion est en dégâts de Jétro, parce que prostitution est quoi? Pour la bande de Bazolanda, aujourd'hui, Nalinga et Selema n'a expliqué l'origine à Babylone, Penalobela, prostitution mouké. Dans Jacques chapitre 4, verset 4, le texte dit clairement que Bozo semble Bozo zoate, parce que Boza va prostituer. Quel rapport entre Kosambela et la prostitution? Parce qu'une femme prostituée a dans la posée à mobilité. Azara n'a pas posé à bijoux, posé à bilokonyonso. Alors, c'est comme aujourd'hui, les gens remplissent les églises, mais repentant ces athées, Koban Nzambe Zate, Oyebi, ceux qui te zongi dans 1980, Mate, Yaya Solo, Nengete, Yamaka, les lois allaient souter, parce que Ozoaba tout est repentant ces amouké, voyage à Poto et Leki. Nous disons que ça, c'est la confusion babylonienne. Donc, Mate, Yaboza, Mate, Yaya Babylone, Oyo prostitution, Koti Makas dans les églises, pour empêcher les gens bas à la tourner vers la vie éternelle. Voilà en un mot, penser tout ce qui n'a pas ça, il a repris ça sur l'esprit babylonien. Maintenant, l'esprit babylonien, là, travaille comment? Parce que Jean, quand il a vu une femme assise sur la bête. Je dis que le système de ce monde est corrompu. Nous allons comprendre qui est cette femme, pourquoi on l'appelle femme prostituée. Parce qu'une église qui a perdu la semence du mari, c'est une femme prostituée. Église au papa Koufiatike Limouana. Église au papa Koufiatike Limouasi. Ce sont les églises des prostituées parce qu'elles n'ont pas gardé la semence de Dieu. Aussi longtemps que ces masses en zambé zate, batolelo, bah comme il n'a pas. Ces masses à bateau, j'ai trop. Oui, mais moutaké États-Unis en kouti, moutoumon ou asali, ce qui j'ai trop ministre. Il n'y a pas de kisha sasali, kadima ministre. C'est la prostitution. Notre modèle, ce ne sont pas les Américains. Modèle ambitieux à Nigeria, modèle ambitieux à Sud-Afrique, mais notre modèle, c'est la parole. Alors, la prostitution est celle qui batolelo, va perdre vrai enseignement. De n'importe quoi, parce qu'une femme prostituée, parce que le mari qui doit dominer aujourd'hui, c'est la parole. Raison pour laquelle nous disons, message aux apôtres, c'est que les gens la prostitution. Les gens sont séduits. Parce que tant ils étaient, ils sont samedi prochain. Vous allez vous rendre compte que les gens sont en train de l'église.
prophète a la même tête que au salaki masumo longo la kizemi mais prophète a la balamoro élévation aucun apôtre. Et comme les gens aiment de telles choses, c'est ça la prostitution babylonienne que nous disons, c'est que mité maya batweza musika ya nzambe répandant ces actes, les gens remplissent les églises, il n'y a pas un message. Alors que pour cela monsieur ça batou bas à la mesure, il y a qu'on détecte ça, la prostitution ou la vraie semence. Parce qu'une femme prostituée sera allée à Pangoussi Mounoronaliété. Ce sont les faux pasteurs, les faux enseignants. Donc du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il n'y a rien de Dieu, il n'y a que la prostitution. Et c'est ce qui a fait que, bana y a nzambe lelo, qu'on sambe la bango, boye bien nzambe zate. Tu sais, j'ai trop, pour la soukawana, tu peux entrer le na kachab église, ou tu n'y a tabatou. Et Apocalypse de l'ingolo bali, ba ebi na bango de. Nini, ba to ebi kaka, loba amen, to kenda poto, amen. Loba, tokota 40 jours, toza ya nzambe, tokota 60 jours, toza ya boye. Mais il n'y a pas la vie de Dieu, la crainte de Dieu, la haine du mal, exacte, l'amour divin, il n'y en a pas. Alors que ce que nous devons chercher tout d'abord, c'est ba, ba garder vraie parole, pe makamususu ya nasima. Sokote, ba to balobi, au nom de la maturité, il faut doser. To dozen de gagner. Là où il y a Babylone, parce que awa toye pour na webi sabatu que l'église n'y a pas ça, y a nzambe te. Ma prophétie n'y a pas ça, y a nzambe te. Oyebi nzambe ebi sa Israël que ce prophète a le mili kambeza ya solo. Mais ce qu'a même mis on a hôtel à mabe, y a pas que na tche yon est prêt. C'est que problème la monsieur Zaka a été hôtel à malakati église, na zon on a bino 40. Yo, osan a problème, yo osan a difficulté. Nan a zangi difficulté. Non, il y a un problème. Même le prophète a prophétisé, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. Ce n'est pas ça. Mais le problème, c'est que tu as prophétisé, mais tu as quel culte, quel enseignement que tu nous amènes. Voilà, prostitution, c'est ce qui bat. Va perdre ma terre. Solo, ça, c'est l'alliance humaine, la connexion humaine. Je ne sais pas si tu as dit que tu as dit que la vie nous dépend de la connexion à tout terre, mais ta vie dépend du Seigneur. Jacob avait reçu la promesse, la rosée du ciel et la graisse de la terre. Bien qu'à coup, il n'y a pas de difficulté à la banne, mais la parole est toujours na koko kisama. Tu es un homme de Dieu, peut-être, au même moment qu'il n'y a pas de connexion, au même moment qu'il n'y a pas de connexion, au même moment qu'il y a une prostitution babylonienne que tu dois sortir. Tu dois sortir, retourner. Tu dois chercher le vrai appel que Dieu t'a donné, qu'on a un mouvement, un système, une connexion. Même si tu souffres, mais reste dans la vraie parole, le Seigneur va récompensé. Voilà, introduction Mouquet, tu crois qu'on peut s'assurer Babylone, c'est ça. Voilà, 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 merci beaucoup prophète Jean-Olim Banda, je suis prophète de Dieu, pour cet enseignement. Ma question est tellement ébélée, ma question est tellement ébélée, mais la lingui, tu bandes quelque part prophète Jean-Willy, le cambo lobby, il y a qu'on présente moto. La lingui d'abord, on va expliquer sur les systèmes babyloniens, c'est quoi, et en quelques mots, mais la lingui, hôtel Sabiso Nano, le Cambo,